Since the time of the Founding Fathers, dark forces have been preying on America. As the fight against these vampires continued, a secret organization has trained people with remarkable skills. The agent's duty is to protect ordinary people from the forces of evil. Belmontville Mines, huh? We're gonna be walking blind into a damn maze. And if our tick friend here is telling the truth, Debono's gonna be right in the middle of it. I don't think I'm in a position to lie, do you? That's the spirit, Chester. Now you lift those fancy illusions and who knows? Maybe you'll make it out of this after all. The glamour! Even I have my limitations, Mr. Gravener. You want a limitation? How about walking around without a head? Crawling with familiars. No question. And where do you think you're going? Judging by that tone of yours, sounds like I'm making sure Fancy Pants here doesn't make a run for it. In broad daylight. That's why we need familiars. I'm starting to question your qualifications for this job. Those ass-licking... Tick lovers should be shot on sight. What the hell. Maybe we can play with dynamite out here, too. Right, Jess? I'll make you a new waistcoat. I don't believe my tailor would like that. See? You're bonding already. Eat me. Donc, j'ai une nouvelle arme. Ok, il reload si c'est vide. Et si je n'en tire qu'une en bas à droite, ça se recharge progressivement. Très bien. Eh bien, salut tout le monde, c'est X-Rouge et aujourd'hui on se retrouve pour le test gameplay découverte de Evil West sur PlayStation 5. Édité et développé par Focus Home Interactive et Flying Wild Dogs, à qui l'on doit l'excellente saga complètement barrée. Je veux bien sûr parler de Shadow Warrior. Sorti officielle le 22 novembre 2022, et Peggy nous le déconseille, au moins de 18 ans. Ok, donc la Winchester fait bien plus mal que le pistolet. J'essaye de me remettre le gameplay en mémoire. Je suis actuellement dans la deuxième mission. La première a fait plutôt office de tuto. Elle mélangeait le tuto et une première mission avec toujours le même espace environnant. Je voulais quand même montrer quelque chose de plus divers et je me suis auto-spoilé. La mission 2 me paraissait tout à fait appropriée pour vous montrer de quoi il en retourne. Ah ouais, non, c'est gore as fuck. On reconnaît bien la patte Shadow Warrior. J'incarne donc Jesse Rentier, un cow-boy qui travaille pour une sorte d'agence de chasseurs de vampires. Un petit peu inspiré à la Devil May Cry quand même. Et votre mission principale sera de défendre la frontière américaine de ces nombreux monstres qui n'arriveront qu'en surnombre. À la croisée visuellement entre un Outriders et un Remnant from the Ashes. En fait, il n'en est rien. Le gameplay est beaucoup trop fluide et beaucoup trop nerveux. La patte du hack and slash est bien trop présente pour pouvoir s'apparenter à ces deux derniers jeux. Je dirais une sorte de... Ouais, visuellement un Outrider ou un Remnant, mais avec une possibilité et une dynamique propre au Devil May Cry. Un mix assez inattendu et pourtant qui marche plutôt bien. Moi, personnellement, de la bêta que j'en avais fait à l'époque et à la découverte du jeu, j'en suis complètement... conquis. Ouais, bon, je n'ai pas d'autres cosmétiques. J'en profite aussi donc pour vous montrer un petit peu le menu. Vous avez les armes, vous pouvez voir un petit peu plus d'informations sur votre personnage, et vous avez
Le compendium qui vous permet, en fait, c'est une sorte de glossaire, hein, pour en savoir un petit peu plus sur les alliés qui vous accompagnent, les monstres affrontés et les récapitulatifs de missions précédentes. Bien entendu, il y aura différents succès, différents objets à trouver, un petit hide and seek, une sorte de recherche de trésors pour pouvoir compléter le jeu à 100%. Petit point négatif que je pourrais lui donner, quelques clippings quand même, hein, vu que le jeu se veut si nerveux, quand ça switch, je sais pas si vous l'avez vu là, mais là, on a vraiment eu l'écran qui est revenu d'un coup perpendiculaire au dos de Jesse, et ça casse un petit peu la dynamique et l'appréciation du jeu, je trouve. Malgré tout, point positif, qui dit point négatif dit aussi point positif, les cinématiques sont foutrement bien foutues, et c'est clairement un jeu bien gore et qui ne s'en cache pas. Ouais, donc il y a directement un aim lock. Hein. Ouais, c'est ça. Suffit juste de viser avec L2, puis après mettre un coup de R2. Hein, Donc en plus d'un principe de contre au corps à corps, vous l'avez également grâce à la Winchester. J'ai fait rond comme un idiot, je le crois. J'ai trop l'habitude d'esquiver à la God of War, hein. Je suis encore trop dans le jeu. Mais voilà, vous pouvez donc maintenant contrer et counter l'attaque chargée de votre adversaire. Non, c'est pas ce que je veux faire. Voilà. Oui, donc aspect vraiment de Devil May Cry, hein, ça nous rappelle énormément Dante avec Rébellion, avec l'épée de Sparda qui envoie les démons voler dans les airs, et il utilise Ebony et Ivory pour vider son chargeur dans ses monstres. Enfin, vider. Bon, il a des balles à l'infini, donc bon. Oh putain, une mine remplie d'araignées. Dans la vraie vie, je suis arachnophobe. Bon, ça va, dans les jeux vidéo, ça me dérange pas plus que ça, mais je m'attendais pas à avoir ce genre de mine dans un jeu pareil. Je m'attendais vraiment à avoir que du Far West. La première mission, c'était sur un train qui déraille. Ou est-ce que vous avez pu le remarquer, on a récupéré un vampire que l'on amène à un endroit. Je ne vous en dirai pas plus. Si je dois même obtenir des points sur le lore, je les passerai immédiatement. Je ne ferai que... Ben ouais, attends, tu t'attendais à quoi? T'as le gant de Doomfist de Overwatch dans les doigts et... après ça s'étonne de ne pas pouvoir passer. Non, je disais, voilà, si je récupère des documents qui montrent un petit peu sur le lore du jeu, je le passerai directement. Je me ferai de la lecture en... à côté, hors caméra. Dead end. Great. You seeing this too? Take it off. Mr. Rentier, on a first date? What do you take me for? You're right. Ils lui ont mis des dynamites. No, no need. I see it now. Of course. The glamour. I'm on it. Ah, il y a quand même un petit côté Al-Qaïda vibes quand même. Hey, Chester. Please. I need to concentrate. C'est à se demander comment ils arrivent à recruter ces fanatiques pour aller se faire péter à leur place. Quoi. On va jouer à un petit jeu, ça s'appelle le jeu du kamikaze. Et c'est une fois après promis, c'est un peu on arrête. Sanguis Eternus. Bon, vous me direz, c'est toujours mieux que de se faire exploser. Donc les ennemis, quand ils vous frappent, bien entendu, vous voyez l'extrémité de leurs membres surbriller. Ils se mettent en mode shiny, c'est qu'il faut forcément esquiver, ou vous pouvez aussi contrer l'attaque. Si par contre l'ennemi est shiny de la tête aux pieds, l'esquive risque d'être un petit peu plus dure si vous êtes vraiment close à votre adversaire, donc si vous êtes très proche de lui. Il vous suffira du coup d'appuyer sur la touche R3 qui est un coup de pied pour justement stun, mettre
un effet d'étourdissement à votre adversaire pour couper, pour le couper dans son élan. Voilà, comme ceci. Ce qui m'a permis en plus d'enchaîner. Quand ils sont étourdis et complètement brillants, il suffit d'appuyer sur la touche R1 pour faire un finish un peu certes dégueulasse, mais très badass. On oublie un petit peu le principe arcade avec un ranking par rapport aux points et aux combos que vous pouvez faire. Même si vous pouvez en faire justement des combos. C'est une pyramide à l'envers le machin. Je m'attendais pas du tout quand même à avoir ce genre de décor. Ah, non, ça on passe. Comme je l'ai dit, la lecture elle est pour moi en off-stream. Sinon ça reviendra du spoil, je vous montre déjà les cinématiques, c'est déjà pas mal. Donc voilà, ça rejoint ce que je voulais dire. Au lieu du scoring, vous avez plutôt de la recherche de trésors à faire. Le jeu vous poussera à aller à droite à gauche pour explorer un petit peu les lieux. Et vous serez donc récompensé de par votre curiosité, qui vous offrira à la clé une certaine somme d'argent qui vous servira bien entendu pour divers achats, upgrades qui sont accompagnés dans le jeu vu qu'un système... Pas vraiment RPG, mais comme vous avez pu le constater, il y a des cosmétiques, des équipements, différentes armes, des capacités. Et puis vous avez quand même un principe de level avec votre héros. Il suffit que je le dise. Eh bien, on va aller voir ça ensemble. Donc, ça je connaissais pas, je l'avais pas vu, je savais qu'il y avait un principe de leveling. On voit l'argent en haut à droite. Un arbre de compétences divisé en plusieurs branches. Je vais les passer toutes rapidement, à vous de mettre pause durant la vidéo si vous voulez lire chacune des attaques. Moi je préfère les découvrir de moi-même au fur et à mesure. De toute façon on pouvait débloquer que le bulldozer. Non. Je sais pas. Comment on fait le bulldozer? J'ai pas regardé. Ah mais il n'y a pas de touche attribuée, il faut juste que je tape avec le gant, d'accord. Ça n'a pas l'air de me redonner de la vie pourtant. Peut-être qu'il m'en fallait un petit peu moins de vie ou alors un truc m'a échappé. Ah oui forcément, un finish d'ennemi qui est contre un mur, bah oui forcément ça transperce. Oh, un boss? Non, ils sont plusieurs, un nouveau type d'ennemi. Oula. Ok, ouais, ça va. J'allais dire, le temps pour pouvoir armer la Winchester quand même est assez réduit, mais au final, non. À vous de gérer vos balles hein, et de tirer au bon moment. Toujours chercher partout. Comme je vous l'ai dit, il y a des sous-sous à la clé. C'est voilà, vous voyez ça, ce clipping là dessus, je me suis retrouvé debout. Il n'y a pas vraiment eu l'animation de quand je me suis relevé après l'escalade. Ben ça, c'est ultra fréquent dans ce jeu et c'est un peu dommage. C'est on dirait limite que le jeu est buggé en fait. Ça a été fait à la va-vite au niveau de l'animation pour se remettre en posture classique. Après, il n'y a pas grand-chose à lui reprocher. Après, c'est pas le Game of the Year, mais en vrai, pour ce qu'il apporte, son côté délirant, les cinématiques, le scénar du jeu, franchement, ça reste quand même un jeu qui est plutôt bien travaillé. Et puis bon, est-ce qu'on pouvait vraiment s'attendre à autre chose de la part des créateurs de Shadow Warrior ? Non, on voulait ce genre de jeu, on l'a et on en est bien content. Ça a un effet un peu Love Death Robot. Ça me rappelle l'épisode avec les saints. Je me rappelle plus du nom de l'épisode, mais bon, pour ceux qui ont regardé la série, je suis sûr que vous avez compris. De quel épisode je parle?
Alors, j'essaie de vérifier un truc. L'ennemi qui est dans les airs, je me demande... Non, ouais, c'est bien ce que je pense. Il m'en faudra un autre pour être sûr, mais j'ai l'impression que, vous voyez, le moment où il fait ce petit halo, et donc c'est à moi, au moment où je dois counter son attaque, je n'ai pas l'impression qu'il le fait quand l'ennemi est hors champ, quand il est hors caméra. Là, vous voyez, parce que je le voyais dans mon écran, il l'a fait. Est-ce que si l'ennemi est de dos, il va le faire ? Là, je l'ai dans le dos, j'ai vu son aile. Mais il m'attaque pas. Vous voyez, je reçois pas d'attaque de sa part. Ouais, non, j'avais raison. Il faut qu'il soit visible dans l'écran pour pouvoir faire ce fameux tir dans le point faible et stopper son attaque qui est en train de charger. Ah, les ennemis ont une plus grosse durabilité quand ils sont en posture de finish. On peut les exécuter. Pas grave de vider 2-3 balles, de faire quelques hits supplémentaires. Je vais essayer avec la Winchester. Ouais. Avec la Winchester, par contre, il crève. J'avais beau mettre des balles dans le premier, il est pas tombé. Je crois que la Winchester est beaucoup plus forte. Ouais, vous allez me dire. 4 balles contre... je sais pas combien il en a le revolver 6. C'est logique. Ah, ça fait vraiment esprit... ça fait... Ah, j'étais content de trouver un chemin à côté, au final non, c'était un cul-de-sec. Ça fait un peu... ça me rappelle le trailer de Diablo, quand Maltael arrive pour voler la pierre. Bon, ben, j'ai trouvé les 3 papiers. Vous l'avez vu au final, hein. Il y avait 1 sur 3, 2 sur 3, 3 sur 3. Et ça, ça m'a l'air d'être le boss final qui se trouve derrière cette porte là-bas. Je pense qu'on arrêtera là d'ailleurs. Parce que tout le reste, bah, ça reste quand même un jeu où plus on progresse, plus on débloque justement les possibilités et les nouveautés en termes d'attaque. Si déjà ce que vous voyez vous plaît, Evil West est fait pour vous. Sachez qu'il est au prix de 59,99 dans la plupart des revendeurs. Peut-être moins cher dans les grandes surfaces. Enough. Your line's thirst for all out war with the humans endangers us all. Peace of Havana. Without the shield. The wolves go. Ah ouais, mais c'est Kane, yes. De Legacy of Kane en fait. Il y a un petit peu de chirurgie, mais. Haven't you been watching, brother? The humans have harnessed the power of speed. Ouais, non. Il y a plus la dégaine d'un vampire russe slave. If our hubris allows us to grow fat and lazy in the shadows, they will soon have the power to hunt us down like dogs. And so you propose war. Ah bah ça y est, on a retrouvé Alma de Fir. Elle était là depuis tout ce temps. I propose we strike. With my new asset, we can control the change. Reclaim the Sanguisuge's rightful place at the top of the food chain. Control the change. Are you mad? Even suggesting such a thing is blasphemy. Dominic, brother, these are blasphemous times. While my methods may very well be at variance with our tradition, I can tell you one thing. If we don't adapt, we will perish. Enough. I will not allow you and your bastard greed to lead us into annihilation. Peter Davala, for the high crime of conspiracy against your own kind, I sentence you and your line to the true death. I told you, Father. They wouldn't listen. We had to try, Felicity Migara. Our work will be a lot easier if we can help them understand. If we can't... Then...
We force them to! C'est que ce machin, c'est Nosgoth en fait. Ah, j'avais bien fait de parler de Legacy of Kain. Ça m'a l'air d'être le boss final. Hein. Ouh, ok, il attaque à distance. Et en plus, quand il shine, te saute dessus, super. Ok, on étudie le pattern, tranquille. Ah, j'aurais pu le counter avec R3, j'aurais pu lui mettre un coup de... Oh, oh, la fenêtre de tir, elle est minime sur lui. Oh, non. Je vais me soigner. Ok, donc une fenêtre de tir, et en plus, il faut en loger plusieurs dedans pour le rendre vulnérable. Forcément, il est arrivé à Half-Life, il était mi-vie, donc on passe en P2. Il faut donc gérer les mobs qui viennent de popper. Pardon, on m'a fait la remarque dans une ancienne vidéo disant que j'avais un vocabulaire trop approprié au monde du jeu vidéo. Quand je dis qu'il fait popper des mobs, je veux dire que ce sont des ennemis, des nouveaux ennemis qu'il vient d'invoquer et qu'il faut donc gérer en plus du boss. Oui, non, par contre je lui fais carrément plus mal avec le gant. L'attaque au corps à corps fait beaucoup plus mal que l'attaque à distance. Ce qui est logique en somme. Ouh, il a failli me choper. Et ça y est, on le termine. Oh, la schiste qu'il lui a mis sous le menton. Bon, mais super. Eh bien, écoutez, je crois qu'on va s'arrêter là. En espérant donc que ce test gameplay découverte de Evil West vous aura bien plu. Ah mais c'est sa tête! On est à la vue du boss. Oh, dégueulasse les bruits de viscères. Enfin bref, sur ce donc, je vous laisse sur ces belles images, en espérant que ça vous aura bien plu. Sur ce, je vous dis portez-vous bien tout le monde, et à ciao! Too late. He won't be of any use for a month or two. Wait. What about Chester? Well, what are you gonna do? Now that is how you shape an explosion. Damn, we're late. At least we won't be going back to the manor empty-handed.